Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Parisiens qui gagnent la Ligue des Champions. Les amis, sujet de la vidéo, voilà, réponse à l'Hassana Diarra. C'est plus l'Hassana Diarra les amis, c'est l'Hassana Diarré. C'est la première fois que je vois un mec qui a une grosse tête qui prend la grosse tête. Mais oui, le mec, il a pété les plombs, il s'est mis à clasher l'OM. Il a dit que même avec des joueurs de mon quartier, j'aurais fait mieux avec des joueurs de ton quartier. Mais de toute façon, tu vas les rejoindre les joueurs de ton quartier, voilà. Plus aucun club veut de toi, même un club de Ligue 2, il veut pas de toi sur la vie de ma mère. Le mec il va aller jouer à Lyon la Duchère avec ta tête de crampon. Mais il t'a pris quoi la Sana Diarré? Voilà, il t'a pris quoi le mec? Oui, ça me fout le démon de faire ça. C'est un mec que je kiffais, c'est un mec que j'aime bien. Mais voilà, il abuse, oh, il clash trop l'OM. Il s'est pris, il parle que de pognon le type. On dirait un PDG, la vie de ma mère, on dirait un trader. Voilà que c'est un truc de fou. Avec tes putains de conditions pour te garder au club. Moi je voulais bien qu'on te garde à l'OM, voilà. Mais va voir les conditions. Faut payer une amende de 10 millions d'euros. Faut lui acheter une maison. Faut lui acheter une piscine, faut nourrir sa famille. Oh, tu veux quoi aussi? Tu veux pas une pute qui te suce pendant que t'es sur le banc? Mais faut arrêter ça. Voilà qu'il faut arrêter. Tu parles de, tu dis que même des joueurs de ton quartier seraient plus forts que les joueurs de l'OM. Mais les nuls de l'OM, comme tu les appelais, les joueurs nuls, ils t'ont pris ta place. Voilà, t'as chauffé le banc toute l'année. Et pas pour des problèmes personnels, parce que t'étais bidon. Première partie de saison, on t'a mis titulaire. T'as été titulaire, tout le milieu de terrain, il était à toi. Voilà, et ton, oh, c'est un mec de 12 ans, Maxime Lopez, il t'a pris ta place, un mec de 12 ans, c'est pour ça que t'as la haine. Et même William Vainqueur, voilà, il a fait une plus grosse saison que toi. Pour qui tu te prends? Parce que ça y est, t'as mis une lucarne, 3 passes décisives et 2 retournées. Je crois que ça y est, on va te sucer et va te faire foutre. Le mec fait délirer ça. Ça me fait délirer avec sa grosse tête qui prend la grosse tête. Voilà que tu m'énerves. Pour qui tu te prends? La vie de ma mère, pour qui tu te prends? T'es passé par le Real Madrid, tu crois que tu peux te permettre de cracher sur le logo de l'OM? On s'en bat les couilles. Même t'aurais gagné 20 Ligue des Champions avec le Real Madrid, 30 Ligue des Champions avec le Bayern. Ça te donne pas le droit d'insulter l'OM, la vie de ma mère. On t'a rien fait. Le pire, c'est que les supporters de l'OM, ils t'ont bien accueilli. Ils ont fait un chant pour toi. Ils ont fait des, tous les week-ends, ça chantait pour toi au vélodrome. Et tu veux quoi? Et cet été, ça commençait avec le PSG. Déjà, il y avait des rumeurs avec le PSG. Pas une seconde, t'as lâché un tweet en disant non, je suis Marseillais, mon combat est pour l'OM. Tu t'en bats les couilles. Voilà, là où il y a du pognon, tu y vas. T'es sur la vie de ma mère. Oh, le mec, si. Voilà, t'es quoi? T'es un ange de la télé-réalité. Faut arrêter. Oh, va faire des showcases. Voilà, va faire des showcases dans ce cas-là. Voilà, je suis désolé. On va jouer au poker. Le mec s'est niqué. Donc voilà, tu parles des joueurs de l'OM qui ont pris ta place. Voilà, t'as chauffé le banc, t'as rien fait. Et même la saison où t'as tout niqué, on est arrivé 30e. Donc t'es pas une référence à l'OM. Mais avec tes déclarations, comment ils se la pètent. Voilà, oh, j'ai jamais vu un. Oh, la vie de ma mère, c'est la première fois que je vois un bébé dinosaure se la péter comme ça. Voilà, le mec il est là, il dit ouais, je peux pas non plus mettre une cape de Superman et faire le super héros, je sais pas quoi. Si t'es un génie, si t'es plus fort que les autres, voilà, mets-le en valeur, travaille-le. Lui, c'est le genre de joueur, il sait qu'il est fort. Il dit putain, ouais, y a pas que moi sur le terrain, y a pas que moi je mouille le maillot. Mais si tous les grands joueurs qui ont joué dans des équipes un peu plus faibles auraient gambergé comme ça, regarde Ben Arfa quand elle était à Nice, il s'est pas dit ouais, y a que moi je fais tout. Il a traversé tout le terrain, il a marqué. Voilà, Ribéry quand elle était à l'OM, pareil pour Didier Drogba. Ces gens-là, ils ont été là pour mettre en avant l'OM. Voilà, ils ont pas été là pour mettre dedans l'OM avec les 10 millions d'euros. Avec 10 millions d'euros, je prends Jovetic, moi, la vie de ma mère, on n'a pas besoin de toi. Le mec, faut arrêter, il te parle que de bif, que de pognon. Après il se plaint, il dit quoi? Ouais, les Marseillais, comprenez-moi, j'ai pas joué l'Euro, je suis un homme blessé, je suis qu'un homme. T'es un homme blessé, c'est pas une excuse, tous les joueurs de l'OM ils sont blessés. Regardez Lionel Thauvin, miskin Florian Thauvin, il s'est fait braquer sa montre le mec. Il a failli crever un coup de Kalachnikov. Le mec depuis qu'il s'est fait braquer à Marseille, Thauvin, voilà, c'est devenu un génie. On dirait ça l'a motivé, on dirait il s'est dit putain, faut que je mouille le maillot. Pareil pour les Lucho Gonzalez à l'époque. Lucho Gonzalez, il s'est fait séquestrer avec ses enfants, séquestré à Marseille, voilà. Et le mec, il a ramené le titre à Marseille. Donc te plains pas, dis pas que t'as des blessures personnelles. Oh, tu t'es pris pour Hélène Segarra. Ouais, la vie de ma mère, il m'a blessé, il m'a quitté. Eh, vas-y, la Sana Diarra, le mec, il est là, frère, va payer tes impôts et nous casse pas les couilles. Voilà, le mec, toujours à s'en prendre à l'OM. La vie de ma mère, te la pète pas, frère. Te la pète pas, tu vas aller jouer. Voilà, tu vas aller jouer à Carquefou ou à Lyon la Duchère. Ne fais pas le prince saoudien. Voilà, le mec, parle que de pognon. Ta grosse tête de lampe là.